C'est un artiste tellement original qui n'a rien à voir avec toute la peinture de son temps. Et malgré tout, il a été reconnu par tout le monde. Diderot, qui était le chantre, le défenseur de la grande peinture, qui aimait les tableaux historiques, mythologiques, va beaucoup aimer Chardin, il va le défendre. Mais il dit lui-même qu'on ne comprend pas cette magie. Tout simplement parce que Chardin, c'est un immense poète à l'huile. Le panier de fraises des bois de Chardin a été peint vers 1761 et exposé au Salon la même année. Chardin expose plusieurs natures mortes au même salon. Dans la seconde partie du XVIIIe siècle, nous perdons la trace du tableau. Le tableau est redécouvert par l'immense collectionneur François Marcille au début du XIXe siècle. François Marcille est un beauceron, s'installe à Paris en 1822 avec ses deux jeunes garçons, Eudoxe qui est né en 1814 et son jeune cadet Camille. Ces deux enfants deviendront eux aussi d'immenses collectionneurs. François Marcille, très vite, abandonne toute activité pour sa passion de collectionneur. Il parcourt Paris avec son ami le docteur Lacaze, il fréquente les brocanteurs, les antiquaires, les salles de vente, et cherche la quintessence de ce qu'il considère comme la grande peinture, c'est-à-dire le goût 18e siècle français, tous ces tableaux qui, pendant la Restauration, sont totalement abandonnés et ne sont plus du tout au goût du jour. Ce tableau, le panier de fraises des bois, rentre dans la collection de son fils Eudoxe, et ainsi ce tableau se trouve encore aujourd'hui dans la collection des descendants d'Eudoxe Marcille. Nous sommes en 1761, Chardin est au sommet de sa peinture. Il est pur produit de cette bourgeoisie éclairée du milieu du XVIIIe siècle. Et l'idée est que, à travers sa peinture, il y a une recherche, une mise en valeur de la vie familiale, de la vie silencieuse. Il est un artiste profondément spirituel, en fait. Le recueillement, c'est très important dans la peinture de Chardin. Et même s'il n'y a pas de figure dans un tableau comme celui-ci, on sent le recueillement. Il crée un nouveau type de peinture qui n'aura pas de futur immédiat. Il faudra attendre 100 ans pour que ce type de peinture renaisse. L'idée que la peinture est une illusion et qu'elle n'est pas faite pour être vue de près. On peut considérer François Marcille, en collectionnant près d'un quart de l'œuvre de Chardin, c'est-à-dire 30 tableaux de Chardin, a sauvé cet artiste. L'importance des collectionneurs privés est à mettre au premier plan. Ce sont des acteurs majeurs, non pas seulement du marché de l'art, mais de l'histoire de l'art. C'est-à-dire que des collectionneurs qui vont s'attacher à compiler l'œuvre d'un artiste vont, en quelque façon, être les conservateurs de l'œuvre de l'artiste. C'est un tableau parce qu'il est arrivé à un niveau de poésie inouï. Il est devenu un tableau universel. En fait, le revers de ce tableau, il nous apprend que tous les grands musées du monde ont voulu l'avoir pour représenter Chardin, au fond pour représenter une forme de l'esprit français. Ce tableau qui est si connu, si célèbre, dont nous pensions tous qu'il était dans un très grand musée, ce tableau, c'est la première fois qu'il passe en vente publique. Et ça, c'est important parce que la magie de Chardin, elle est dans la dernière touche de peinture qu'il va ajouter quand les vernis sont secs, et là, il y a tout. Et ça, c'est ça qui en fait un petit miracle de la peinture.